en coton. អង្គជំនុំជម្រះកោះបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសម្មនាការនៅថ្ងៃនេះអង្គជំនុំជម្រះទូសម្មនាការស្ដាប់សក្ខីកម្មសក្សីភ្នៅយ៉ាវក្រុមទីសម្មនាការឡើងរៀបការអំពីស្ថានភាពវត្តមានអវត្តមានភិក្ខុនិងបុគ្គលដែលអង្គជំនុំជម្រះកោះអញ្ជើញឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសម្មនាការថ្ងៃនេះ សូមគោរពលោកប្រធាន សម្រាប់សកម្មភាពនៅថ្ងៃនេះក្រុមអង្គជីក៏សម្គាល់ឃើញថាគ្រប់ភាគីទាំងអស់នៃរឿងក្តីនេះមានវត្តមានដោយឡែកលោកនួនជាមានវត្តមាននៅបន្ទប់ឃុំខ្លួនខាងក្រោមសាលសកម្មភាពនេះដោយលោកស្នើសុំលះបង់សិទ្ធិមានវត្តមានដៃផ្ទាល់ពីបន្ទប់សកម្មភាពនេះខិតលះបង់សិទ្ធិរបស់ជនជាប់ចោតនួនជាបានប្រកល់ដល់ក្រុមអង្គជីរួចហើយសាកសិទ្ធិដែលត្រូវមកផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅថ្ងៃនេះគឺលោកភ្នៅយ៉ាវលោកមានវត្តមានរួចហើយនៅ
Bonjour, monsieur le témoin. Mon nom est Vincent de Ville et je vais vous poser des questions au nom du bureau des coprocureurs jusqu'à peu près 11h, moment auquel les avocats des parties civiles prendront le relais. Nous poserons quelques questions avant la pause déjeuner. Alors, je vais tout d'abord vous poser quelques questions concernant votre passé avant le 17 avril 1975. Jusqu'à quel âge êtes-vous allé à l'école et est-ce que vous avez obtenu un diplôme? Et cette année 9, ça correspond à peu près à quel âge? Quand avez-vous quitté l'école pour travailler dans l'agriculture? Donc, pourriez-vous juste préciser à quel âge environ avez-vous pris la robe? Très bien. Vous avez dit avoir participé au mouvement révolutionnaire. À partir de quel moment avez-vous fait? Merci. Dans votre procès verbal d'audition par les enquêteurs des juges d'instruction, il n'y en a qu'un. Il porte la cote E3-5515. Vous avez dit ceci à la réponse 2. Le chef du village, nommé Tacite, a été emmené pour être exécuté en 1972 ou 1973. Et puis vous avez dit que le chef de la commune, le vieux Kem, a été exécuté en 1979. Est-ce que vous pourriez nous dire si vous savez pourquoi Tacite, le chef du village, a été emmené pour être exécuté en 1972 ou 1973? Tacite n'a pas été emmené pour être exécuté en 1972. Vous voulez dire un problème de discipline? D'accord. Est-ce qu'à l'époque, donc toujours avant avril 75, est-ce que les coopératives à l'échelle de chaque village ont commencé à fonctionner? Vous savez-vous à peu près à quelle période? Bah, ça a commencé en 1975.
Là, vous voulez bien parler de la coopérative de votre village de Penmis, commune de Samran, district de Tramkak, dans la province de Takeo. Est-ce que c'est ça? Très bien, j'en viens à la période qui suit. Et c'est la période comprise entre le 17 avril 1975 et 1976, puisqu'en 1976, vous aviez dit que là, il y avait division au niveau de la commune de Samrang en trois unités. Donc je vais d'abord parler de la période avril 1975 jusqu'au moment où la commune a vu ces coopératives divisées en trois. Tout d'abord, concernant les repas collectifs, à partir de quel moment avez-vous dû prendre vos repas en commun dans un réfectoire, dans votre village ou votre coopérative? Est-ce que cela a commencé avant la prise de Phnom Penh ou après? Comment le peuple de base de votre village ou de la commune de Samrang a réagi quand on lui a dit que dorénavant les repas seraient collectifs? Est-ce que vous étiez d'accord avec cette idée? Est-ce que en 1975, est-ce que vous avez eu le droit à ce moment-là de continuer à loger dans votre maison? Et est-ce que vous aviez à ce moment-là le droit de cultiver des légumes ou de ramasser des fruits autour de votre maison? Vous avez mentionné l'année 1975 comme étant le moment où vous avez commencé à prendre vos repas collectivement. Est-ce que c'est aussi à ce moment-là que les biens privés ont dû être remis à la collectivité? Est-ce que, comme pour les repas collectifs, personne n'a osé contester cette mesure, même pas un chef pour dire que ce serait peut-être pas une si bonne idée? Bah, admien ke hien chum tae luk thien pa tha chum tae tae ta bat khluon tae mdang lien bah.
À part la prise des repas en commun et l'abolition de la propriété privée, est-ce qu'il y a eu d'autres changements qui ont affecté vos conditions de vie durant cette période par rapport à la période qui précédait? Par exemple, au niveau de la discipline, est-ce qu'il y avait, durant cette période après la prise de Phnom Penh, des choses que vous deviez faire et des choses qui étaient interdites? Bài Phnom Penh hai đại rùm cái ham ở đôi thưa thằng ớt. Bởi dân thì rô trái rô kẹp rô cái đám ấy nắng kia ở đôi rô đó nó lục thiên và bài đó do mà đạp nông cái xin là hạ cờ và est-ce qu'à partir de ce moment-là, la délation, donc la dénonciation de toute faute commise par un membre du village, était encouragée par les Khmer Rouges? De quoi aviez-vous peur si vous ne n'obéissiez pas aux ordres ou si vous ne respectiez pas la discipline? Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez peur d'être emmené, d'être exécuté. Sur quels éléments objectifs vous basez-vous pour dire que cette peur était concrète, réelle? Bà dân khá là dân vừa khó đó, cứ giờ tôi làm làm đó, bà. Est-ce que vous avez vu des gens être emmenés ou disparaître à cette période-là pour ne pas avoir respecté la discipline? Đề mùi than nhóm ạ sau miến ấy phở thạc cá đi nhóm mình sau bàn khởi nơi lục thiên nhóm vào để kịp bà tàu chùa ra bà tàu ra đây bộ kịp bà lại kịp nọc ở chẳng đâu bà sau bàn khởi nơi nhóm. Je vais maintenant vous parler de, du moment où les évacués des villes sont arrivés dans votre commune de Samrang. Vous avez dit à la réponse 5 de votre procès-verbal d'audition E3-55-15 que les habitants ont été déportés de Phnom Penh. Arrivés dans le village, ces familles ont été placées dans une école. Et à la réponse 6, vous avez dit, quant à l'alimentation du peuple nouveau, on leur a ordonné de manger au réfectoire de la coopérative du village. Est-ce que vous pourriez nous dire si ces évacués de Phnom Penh étaient nombreux? Combien de familles environ avez-vous vu? Bah, nous avons vu un peu de croissants dans le Thien. Nous avons vu un croissant dans le pays de Phnom Penh. Quand nous avons vu un peu de croissants dans le pays de Phnom Penh, bên đã đào cửa xa và nắng chân kiệt chắn lục thiền. Est-ce qu'il y avait également des évacués qui venaient de la ville de Takeo? Qui travaillent chum liha mà pita kai vda rite? Lê pita kai vda miền khá đá lục thiền pì nạ đá. Pour
Pourriez-vous nous dire dans quel état physique sont arrivées les personnes évacuées de Phnom Penh ou de ហើយមកពីភ្នំពេញហើយមកពីតកែវហ្នឹងពេលមកដល់ហ្នឹងស្ថានភាពសុខភាពគេយ៉ាងម៉េចដែរបាទគេមកដល់ហ្នឹងសុខភាពអត់ទៅដែរលោកធានសុខភាពអត់មានឈឺស្កាយទេប៉ុន្តែមកដល់ហ្នឹងគេឲ្យទៅដែរចំណុកហៅថាចំណុកដុកសាបបាទ Vous avez dit qu'il y avait des membres du village qui avaient... Il y avait des villageois qui avaient des membres de leur famille qui avaient été évacués, notamment de Takeo. Comment les personnes qui étaient évacuées de Phnom Penh et de Takeo étaient-elles considérées? Est-ce qu'elles, même si elles venaient de... Elles étaient originaires du village où vous étiez, est-ce qu'elles étaient considérées comme peuple de base ou comme peuple nouveau, ou peuple du 17 avril? ក្រុងភ្នំពេញអភិតកៅហ្នឹងគេចាត់ទុកគាត់យ៉ាងម៉េចដែរពួកគាត់យ៉ាងម៉េចដែរជាប្រជាជនចាស់ឬក៏ប្រជាជនថ្មីបាទលោកប្រធានគេចាត់ទុកជាប្រជាជនថ្មីគេហៅថាដែលត្រៀមផ្ញើជាជនផ្ញើទេបាទ Merci. Est-ce qu'à leur arrivée, les biens personnels des gens du 17 avril ou des gens nouveaux ont été également confisqués et placés dans un endroit au service de la collectivité? Mais vos biens à vous, toutes vos propriétés privées avaient été confisquées. Cela n'a pas été le cas pour les gens du 17 avril, ou bien ce n'était pas le cas tout de suite. Merci. Toujours à cette période, je crois, vous avez dit dans votre procès-verbal, le 3/55/15, à la réponse 9, que les enfants devaient ramasser les bouses. En dehors de ce travail de ramassage de bouses, on leur permettait d'apprendre à lire et à écrire environ 2 à 3 heures par jour. Après le cours, on leur ordonnait de garder les bœufs jusqu'à 17 heures avant de manger. Question 10, qu'est-ce qu'on apprenait aux enfants? Réponse 10, on leur apprenait à déchiffrer les lettres de l'alphabet ABCD et à lire des mots. Fin de citation. Pourriez-vous nous dire à partir de quel moment vous avez été chargé d'apprendre aux enfants à lire des mots ou à déchiffrer les lettres de l'alphabet? បាទនៅក្នុងឆ្នាំ 1976 ខ្ញុំត្រូវទៅនៅតលាក់ខាងលិចហៅអង្គពន្ធរាយនោះលោកធានបាទហើយគេឲ្យខ្ញុំរៀនក្មេងនៅពេលហ្នឹងបាទ Donc quand vous parlez des enfants, c'était bien à l'époque des enfants de la base. Ou bien s'agissait-il également d'enfants du 17 avril? Robot net mul than de, rư co lok sam dai tu lu kmeing kmeing robot phie chon thmey. Bat kmeing kmeing da nou muoy khnyom nung ke tha kmeing sat mul than ah lok thien. A mien kmeing kang 3 e, mien sa kang 1. Bat. À l'époque, est-ce que vous étiez qualifié pour enseigner? Est-ce que vous aviez été formé pour pouvoir apprendre aux enfants à lire l'alphabet ou à lire des mots?
bạn cả nước cái ai nhầm bằng riêng đồng tiền người riêng sẽ hậu đại vật cao người đã hái ai chụp hậu mà than ấy đang màu chuyện người riêng mình đại đồng tiền mà ok pour en revenir au famille évacuées de Phnom Penh et de Takeo. Bạn cả nơi ăn miên sang làm đâu than ói để phở thà cả nước thấu bàn chạy cán thì giờ bọn ôn khang tô việt nông phèn tấu giờ mà đã còn bấy nó phun từ sau mình bạn Nous allons revenir à cette troisième unité par la suite. À leur arrivée, est-ce que vous savez si les familles du peuple nouveau ont dû écrire leur biographie? Thiên phùm cái đăng ấy, lòng thiên, bạch xê và rượu ấy mà. Vous dites au début, est-ce que cela veut dire que par la suite, on a pris le soin de les interroger sur leur passé? Bạn đang mấy phum cái bàn xưa đã lục thiên nhưng mà sau bàn nấu chết cái đá đây và cần là đăng thả mà dùng đi mà nồng phánh là nấu thả là muối nấu cần đà phum bạn Est-ce que vous savez si les cadres du village ou de la commune recherchaient à l'époque d'anciens militaires de l'ONOL ou d'anciens fonctionnaires du régime de l'ONOL parmi les gens du 17 avril? Oui, tout à fait. Donc, je vous demandais si vous saviez si, à l'époque, les cadres du village ou de la commune recherchaient, parmi les évacués de Phnom Penh ou de Takeo, d'anciens militaires ou d'anciens fonctionnaires du régime de l'ONOL. On recherchait les gens qui avaient travaillé dans les villes sous le régime de l'ONOL. Bạn lục thiên chùa nhục nhầm bạn xóm trở lại thà. Thì ở miền sưu ấy lục thiên gần mà đá lên cái ai nào nắng ở phở thà. Ăn ca thân lại lứa cái thà ai dì chấn thì nấu đọc của xa phong phục. Ở miền cái lại nấu nấu phùm được sao. Mà chẳng cái ai nào nắng sẵn em. Ấy mình tập một tiết bạn kia thà. Và chẳng trâu vào mô con ai tình đâu khang càng bay vinh. Chẳng cái đại trình mình đang tiết tình đâu càng bay lục thiên và Merci. Nous allons donc revenir
un peu plus tard aux différentes unités 1, 2 et 3. Simplement pour revenir terminer avec cette période entre avril 75 et 76, donc vous nous avez dit, vous avez commencé à apprendre vos enfants à lire à partir de 76. Qu'avant ça, vous aviez travaillé à des travaux physiques, et notamment que vous deviez transporter de la terre. Est-ce que vous aviez un quota à remplir par jour? Combien de mètres cubes deviez-vous transporter par jour de terre? Mong phẩm môi bực chẳng tới đà mong đọc môi chẳng tới cho mà hộp bài nó tạm rộng cứ xin bài vĩnh được thiền vậy. Et dans l'après-midi, jusqu'à quelle heure travaillez-vous et est-ce qu'il est arrivé que vous travailliez également le soir ou la nuit? À l'époque, durant ces travaux, est-ce que vous aviez le droit de discuter les instructions, les ordres, le droit de vous plaindre? D'accord. J'en viens maintenant à la période suivante que vous avez déjà anticipé sur cette ligne de questions. Il s'agit des différentes unités de coopératives, c'est-à-dire les unités 1, 2 et 3 qui ont été instaurées dans la commune de Samrong. Et comme introduction, je vais vous lire ce que vous avez dit à ce propos dans votre procès-verbal d'audition à la réponse 12, procès-verbal E3/55-15. Voilà ce que vous avez dit, je cite. En 1976, on a séparé les habitants en les faisant vivre dans les coopératives. Dans la commune de Samrong, il y avait trois grandes coopératives. Cette division des coopératives s'est faite en fonction des catégories d'habitants. La première catégorie était appelée l'unité 1, destinée aux habitants de la base. Le peuple ancien de plein droit. Il était basé dans le village d'Ang Punarei. La deuxième catégorie, ou unité 2, comprenait les habitants de la base, les candidats. Mais les gens de cette unité avaient une parenté qui était affiliée ou sympathisante de l'ennemi. Cette unité se trouvait dans le village de Pen Mir. Quant à la troisième catégorie, unité 3, elle était composée des habitants déportés de Phnom Penh ou appelés les gens du 17 avril, population halogène. Celle-ci est située dans le village de Ta Som. Vous avez dit que c'était... fin de citation. Vous avez dit que c'était en 1976. Est-ce que vous vous souvenez si c'était en début d'année, au milieu de l'année ou vers la fin de l'année 1976?
Est-ce que vous avez appris ou est-ce qu'on vous a dit qui avait décidé de classer les gens de la commune de Samrom en trois catégories bien distinctes? Et si oui, sur base de quels critères exactement? តែឯងត្រូវទៅនៅអង្គពន្ធរាយនៅទលាក់កន្លែងកាងមួយហើយត្រូវជំនឿពួកខាងហ្នឹងឲ្យមកនៅកាងពីរវិញជ្រើសរើសអញ្ចឹងដោគ្នាលោកធានបាទនឹងដោគ្នារឿងអីខ្ញុំអត់បានដឹងដែរលោកធានបាទដឹងអ្នកណាសម្រាប់ឲ្យដោទៀតបាទ Donc, si j'ai bien compris, vous avez dû quitter votre village de Penmir, puisque là travaillait l'unité 2, et vous êtes parti au village d'Ankounare. Où avez-vous logé à Ankounare? Si j'ai bien compris, vous logez là parce que vous étiez enseignant, pas parce que vous étiez enfant. C'est bien correct. បាទកាលនោះខ្ញុំគេចាត់ឲ្យមើលក្មេងនេះលោកប្រធានមិនមែនថាជាគ្រូឲ្យពេញចិត្តអីទេបាទគេចាត់ឲ្យជួយមើលក្មេងរើសឯកគោបង្រៀនក្មេងខ្លះខ្លះឲ្យវាចេះអក្សរហើយថ្ងៃសៀលមើលគោអញ្ចឹងទៅបាទ 100 Vous avez dit concernant la deuxième catégorie, l'unité 2, il s'agissait d'habitants de la base, mais des habitants de la base qui avaient une parenté, qui étaient affiliés ou sympathisantes de l'ennemi. Qui était l'ennemi à l'époque? Est-ce qu'il s'agissait d'un ennemi extérieur, d'un ennemi intérieur? Est-ce qu'on vous en a parlé lors de réunions ou est-ce que vous avez pu en parler avec des cadres? បាទលោកធានមិនមែនខ្មាំងក្នុងក្រៅទេព្រោះថាគេជ្រើសរើសនេះជ្រើសរើសដើម្បីធ្វើការងារព្រោះថាការងារកាលណាកងមួយគេធ្វើលឿនបាទកាលណាគេលឿនទៅគេបានតែពេញសិតជាកងមួយយ៉ាងដែរបាទហើយតែកងពីរទៅធ្វើការអត់ទៅលឿនអានឹងគេទុកជាកងពីរយ៉ាងដែរបាទបើកងបីខាងចេញពីភ្នំពេញ មកនឹងគេទុកជាកងបីហ្នឹងអានឹងខាងដែលកងបីហ្នឹងដែលចេញមកភ្នំពេញបាទគេហៅថាជាជនដល់17មេសាបាទហើយមកពីខាងត្បូងហ្នឹងទុកជាប្រជាជនកណ្ដាលកណ្ដាលកងពីរបាទហើយកងមួយខ្ញុំហ្នឹងទុកជាធ្វើការលឿនទៅអានឹងគេហៅថាកងមួយមែន
Savez-vous si cette catégorisation, donc cette division en trois catégories de personnes au sein de la commune de Samarang existait également dans les autres communes environnantes du district de Tramkak, comme les communes de Kus, Tapen, Traping Tom, Sri Ronong ou Ching Tong? Est-ce que vous avez appris si un système similaire existait dans ces communes? Est-ce qu'à l'époque, vous avez entendu les cadres Khmer Rouge du village ou de la coopérative de l'unité 1 parler de gens purs et de gens impurs? Est-ce que c'est des concepts que vous avez entendus? Je n'ai pas bien compris votre distinction entre pur et impur. Vous avez dit que vous aviez entendu parler de ce concept. Est-ce que les gens de l'unité 1, à laquelle vous apparteniez, le peuple de base de plein droit, étaient considérés comme des gens purs ou plutôt des gens impurs? Est-ce qu'on vous a expliqué ce que ça voulait dire, l'expression « peuple ancien de plein droit » par opposition à « candidat » ? Quelle était la distinction qui était faite à ce niveau-là ? D'après ce que vous avez appris, quelle était la catégorie qui était considérée comme la meilleure ou la plus pure entre les trois? Quelle était l'unité? Est-ce que c'était l'unité 1, 2 ou 3 qui était la meilleure ou la plus pure selon les Khmer Rouges?
Est-il arrivé que des gens de l'unité 1 travaillant à Ankunare avec vous soient retirés de l'unité 1 et soient envoyés dans l'unité 2 à Pin Mir? Savez-vous s'il y avait une différence entre la discipline qui régnait au sein de l'unité 1, considérée comme la plus pure, et au sein de l'unité 2, considérée comme moins pure? Est-ce que, par exemple, les conditions de travail, la discipline était plus dure pour l'unité 2 par rapport à l'unité 1? Est-ce que vous savez ça? បាទបើតាមការពិតទៅវិន័យដូចគ្នាលោកធានតែការងារខាងការមួយនេះគេលឿនជាងបាទគេធ្វើស្រែឧបមារ10ណាក់ហ្នឹងមហិច្ឆតាឲ្យហើយក្នុងព្រឹកកាល 5 ដល់ 2 អញ្ចឹងណាបាទ Très bien. Est-ce qu'il est jamais arrivé, durant toute cette période, que quelqu'un appartenant à l'unité 3, donc membre du peuple nouveau, puisse être promu grâce à son travail et intégrer l'unité 1 ou l'unité 2? មានឯលោកធានអត់តានបានបញ្ចូលឯលោកធានព្រោះកាលនោះដែលគេរៀបចាំកាលពីរនឹងឲ្យចូលមកកាលមួយវិញតែរៀបចាំដែរតែវាពេលនេះទៅចឹងទៅអត់បានរៀបចាំវិញតែលោកធានបាន Vous parliez d'unité 1, 2 et 3. Est-ce qu'en Khmer, on parlait à l'époque de K1, K2, K3 ou bien je me trompe tout à fait? K1, K2, K3 Concernant les conditions de travail et de vie dans la coopérative de l'unité 1. Je vais simplement lire un extrait de votre procès-verbal d'audition E3-5515. À la réponse 15, vous avez dit « Chaque coopérative est constituée d'unités différentes, à savoir une unité spéciale, une unité de labourage des hommes, une unité de creusement des canaux, une unité de repiquage des filles, une unité des charrettes à bœufs, une unité de sillage de bois,
une unité d'enfants, garçons et fillettes, et une unité des enfants regroupés. À la réponse 16, vous avez dit, une fois le padi décortiqué, le riz décortiqué était partagé entre toutes les coopératives. Chaque matin, deux personnes du secteur des cuisines de toutes les coopératives allaient à la commune pour prendre la ration de riz décortiqué, de légumes, de poissons salés séchés et mis en saumure, de poissons frais, de viande, de sel pour la consommation quotidienne. Fin de citation. Savez-vous si tout le riz récolté, décortiqué dans la commune de Samrong était réparti entre les trois unités ou si une partie du riz était envoyée à l'échelon supérieur? Je suis un peu étonné quand j'ai lu votre réponse 16. Vous disiez que tout était partagé entre toutes les coopératives et vous citez qu'il y avait du riz, des légumes, du poisson salé, du poisson frais, de la viande, du sel. Est-ce que vous savez exactement ce que les gens de l'unité 2 ou de l'unité 3 mangeaient? En ce qui concerne les travailleurs de l'unité 1, est-ce que vous aviez assez à manger pendant la période 1976-1979 par rapport au travail qui était demandé aux gens de la base? Donc si je comprends bien, vous n'avez pas cité de viande, de poisson frais. Est-ce que vous mangez de la viande ou du poisson frais tous les jours, régulièrement ou rarement? Je vais vous lire ce que vous avez dit à la réponse 22 de votre procès-verbal d'audition. Nous avions le droit de manger deux fois par jour, le midi et enfin l'après-midi. Nous ne mangeions pas assez. Les autres, comme moi. On avait droit à chacun à un bol de riz et un grand bol de soupe liquide au liseron d'eau disposé au milieu de la table. Tous les 10 jours, on abattait un bœuf pour nous donner à manger. Là, vous avez déclaré que vous n'aviez pas assez à manger. Pourtant, vous nous avez dit que vous étiez la meilleure unité
plus pure, les habitants de la base de plein droit. Pourquoi ne receviez-vous pas assez à manger? ហើយកងមួយក៏ដូចកងពីរក៏ដូចកងបីក៏ដូចកងមួយដែរលោកធានហូបចុកដូចគ្នាប៉ុន្តែការងារវាដែលវាលើសគេដែរការងារឧបមាកងមួយគេធ្វើការនឹងវាលឿនអាណាលឿនទៅវាសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងវាតម្លើងលើសគេបន្តិចដែរមិនមែនថាដែលអត់ទេវាឧបមាដាក់បាយខាងកងពីរគេពីរបែកខាងកងមួយហ្នឹងមកបីបែកដែរលោកធានបានលើសគេបន្តិចដែរលោកធាន Est-ce qu'en ce qui concerne les unités 2 et 3 qui étaient situées dans d'autres communes, à Pinmis et à Ta Son, est-ce que vous aviez eu l'occasion, vous, de vous rendre dans les réfectoires de ces unités, de voir ce qu'ils mangeaient? Donc quand vous parliez de ce que vous mangez, que vous n'aviez pas assez à manger, en réalité, vous parliez surtout pour l'unité 1. Et vous n'étiez pas vraiment au courant de ce qui se passait dans les unités 2 et 3, est-ce que c'est correct? Ben, j'ai dit, très bien, monsieur le témoin, lorsque vous ne savez pas, je vais vous demander de bien vouloir me dire que vous ne savez pas. Est-ce que les gens de l'unité 1, par rapport à la nourriture qui était servie, se sont plaints du manque de nourriture? បាទមានតែអូនដែរតែឲ្យប្រធានកងគេលឺលោកប្រធានបាទគេលឺគេយកទៅណែនាំគេយកទៅអប់រំបាទប៉ិនគេមិនសម្រាប់ទេគាត់ថាអប់រំថ្ងៃក្រោយថ្ងៃមុខក៏ឲ្យលែងនិយាយរឿងមិនស្អាតអីចឹងចឹងបាទ Je voudrais vous lire ce que vous avez dit à propos de mon nommé Ta Vin à la réponse 21 de votre procès-verbal d'audition, E3-5515. Vous avez dit ceci. Dans mon unité, le nommé Ta Vin, V-I-N, de l'unité des charrettes, a été arrêté et emmené au centre de Krang Tachan. Il a été accusé d'avoir cherché des histoires à cause du fait qu'il ne mangeait pas assez. Quand il en a parlé, on a rapporté ses dires à la hiérarchie. Puis il a tout simplement été arrêté. Le chef de l'unité des charrettes s'appelait Lak-Tim. Il est installé dans le village de Sot-Tmai. Fin de citation. Est-ce que vous vous souvenez de cet épisode où ce nommé Ta Vin a été arrêté en est au centre de Krang Tachan parce qu'il s'était plaint qu'il ne mangeait pas assez? Ça
Saviez-vous à l'époque à quoi servait ce centre de Krang Thak Chan? Qu'aviez-vous entendu à ce sujet? Mais comment est-ce qu'on vous avez appris que ta vigne avait été précisément emmenée à Krang Thak Chan et pas ailleurs? Qui vous l'a dit? តាមរបៀបណាហើយគេដឹងថាມັນបញ្ជូនទៅកន្លែងផ្សេងអ្នកណាគេប្រាប់លោកថាគេបញ្ជូនគាត់ទៅក្រាំងតាចាន់ហើយបាទគេប្រាប់ខ្ញុំថាជូនទៅវិញទៅក្រាំងតាចាន់កងអទេសដូចគ្នានឹងលោកធានកងអទេសបាទអទេសមួយគ្នាបើនិយាយតោះដឹងនិយាយថាហ្នឹងឯងមានកន្លែងណាទៀតនេះលោកធានបាទ Vous avez parlé dans votre procès-verbal d'audition à une autre occasion de ce centre de Krang Thak Chan et c'était à propos de ce que vous aviez dit sur les mariages. Je vais lire l'extrait. La réponse 32. Si un couple ne s'entendait pas, si les agents secrets rapportaient de ce fait à la hiérarchie, le lendemain matin, le jeune couple était convoqué pour être rééduqué. Le couple était menacé d'être envoyé à un endroit quelconque, comme au centre de Krang Thak Chan, par exemple. Donc vous dites que vous saviez seulement que Krang Thak Chan était un lieu de détention. On voit ici qu'apparemment on menace des gens de les envoyer au centre de Krang Thak Chan. Vous n'avez jamais entendu de la bouche de cadre ou d'autres collègues ce qui se passait à Krang Thak Chan? Pour en revenir à Tavin et au moment où il a été arrêté et emmené, est-ce que vous savez vers quelle année, quelle période de l'année, Tavin aurait été arrêté? Tavin aurait été arrêté. ជិតដល់ឆ្នាំហើយលោកធានទៅកងអទេសមួយគ្នាដែរពួកខ្ញុំខ្ញុំធ្វើគ្រូបង្រៀនពីឆ្នាំជិតដល់ឆ្នាំ 77ហើយបាទហើយខ្ញុំនៅបាទអទេសមួយក៏ដែរក៏ហ្នឹងមួយតែតឹងដែរនឹងលោកធានបាទ Très bien, je voudrais lire vous lire, monsieur le témoin, un extrait d'un document. C'est le document E3-4084. Je ne vais pas vous le montrer parce qu'il est un peu difficile à déchiffrer en khmer. La copie n'est pas très bonne. C'est un compte-rendu du comité de la coopérative de Ta Pem qui est daté du 13 mai 1977 et qui dit ceci. Commune de Ta Pem, district de Tram Kok, compte rendu. À l'attention de l'encart bien respecté. Le 7 mai 1977, Bhut Vin, B-U-T-H, Vin, V-I-N,
membre du peuple nouveau, ancien soldat, domicilié au village de Srey Chumrol, commune de Samrong, est venu propager une nouvelle auprès des villageois d'origine du Kampuchea Krom, vivant dans le village Samrong, commune de Tampen. Là, j'ai pris la traduction anglaise parce que la traduction française n'est pas claire. Donc, il est venu propager une nouvelle auprès des villageois d'origine du Kampuchea Krom, vivant dans le village de Samrong, commune de Tampen, selon laquelle l'Ankar avait emmené tous leurs compatriotes vivants dans la commune de Samrong et que l'Ankar allait faire subir le même sort à la population de la commune de Tapem. Fin de citation. Et au dossier figure aussi un autre document, D157.55, envoyé le même jour, le 13 mai 1977, au camarade chef de la commune de Samrong, qui dit ceci. Je cite, je vous prie d'arrêter et d'envoyer Boutvin à la police avec la présente lettre. Donc, monsieur le témoin, il s'agit ici d'un document que vous n'avez jamais vu, et d'une personne qui a été arrêtée, et son nom est Boutvin, il a été arrêté le 13 mai 1977. Est-ce que ce Boutvin, dont il est question dans ce document, est ou pourrait être la même personne que Ta Vin, ou bien s'agit-il de deux personnes différentes? Très bien, toujours juste avant la pause, je crois. Toujours dans l'unité 1, vous aviez travaillé. Est-ce que vous avez dû assister à des réunions de critique ou d'autocritique? Et si oui, qui faisait-on exactement? Vous avez tout de même mentionné avoir eu l'occasion, c'était la réponse 29 de votre procès-verbal d'audition. Vous avez dit, j'ai eu l'occasion de participer à de grandes réunions. C'était le chef de la commune qui présidait les réunions en question. Est-ce que lors de ces grandes réunions, sous la direction du chef de commune, et on a dit tout à l'heure que c'est le Takem, est-ce que les travailleurs du 17 avril étaient invités à ces réunions? Durant ces grandes réunions sous la direction du chef de commune, est-ce que l'on a parlé des ennemis, spécialement à partir du moment où il y avait de plus en plus de combats à la frontière du Vietnam? Est-ce qu'on a parlé des ennemis Yuan à l'époque? Mais,
อาจมีใหญ่ลูกเทียนเกมีอาจมีปราบเจียจรถ้าจะให้ได้บ่าอีละได้มันเจียจรฉะนั้นก็ลือได้มันก็อาจเห็นใหญ่ใหญ่เต้ามีเกียจรสําหรับก็ลือได้มันก็อาจเห็นใหญ่จังนั้นบ่าให้มีการก็อาจพาไปบ่ามีนายเห็นพาจุ่มแต่การงี้มหาลูกพลาดพาอาจจะได้พวกจีดะสระตูงเลือน ជួរលឿននេះប៉ុណ្ណឹងលោកទៀនបាទខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាមានវៀតណាមចូលគេអាចប្រាប់យើងបាទបាទអរគុណលោកអភិញ្ញារងអន្តរជាតិប៉ែលនេះដល់ពេលសម្រាប់ហើយហើយមានប្រកាសសម្រាប់ចាប់ពីពេលនេះទៅទៅរហូតដល់ម៉ោង 10:30 នាទីសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសម្មការមន្ត្រីរដ្ឋបាលតឡាការរួមរស់ផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់នៅបន្ទប់ក្នុងចាំទៅមានប្រាក់ស័យអ្នកជំនាញដល់សាក់ស័យរូបនេះនៅក្នុងឡុងពេលជប់សម្រាប់នឹងឲ្យអញ្ជើញគាត់ត្រឡប់មកចូលរੂនៅកន្លែងផ្ដល់សេវាកម្មនៅក្នុងបន្ទប់សម្មការនេះវិញនៅវេលាម៉ោង 10:30 នាទីសម្រាប់ចុះសូមអញ្ជើញក្រុងឈរ